Salut tout le monde, on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo donc de Resident Evil, le tout premier, donc qui est sorti, bah c'est le tout premier donc qui est sorti en 97. Tac, du coup voilà, on va commencer avec Jill par contre, nouvelle partie standard. Je vais commencer par Jill et après je ferai avec Chris Redfield. Donc, parce qu'en fait, j'avais joué il y a longtemps à Resident Evil. C'est pas mon préféré, mais en fait, il y a peu de temps, j'ai joué à la partie de Chris et j'ai pas trouvé si difficile. Du coup, je me dis pourquoi pas faire des vidéos dessus finalement si c'est pas si dur. Donc voilà, du coup, on va commencer avec Jill Valentine. Je vous laisse apprécier la scène cinématique. Alpha team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team, who disappeared during the middle Chris, of our mission. You haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. What is this? Wow, what a mansion!
And Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! A dining room. Donc voilà, donc en gros, nous en fait, on commence avec Jill de l'équipe Alpha. Et en fait, on enquête parce que l'équipe Bravo est partie dans cet endroit en fait, dans ces montagnes. Et elles ont disparu, on n'a plus de nouvelles d'eux. Du coup, on va enquêter sur l'équipe Bravo, on ne sait pas où ils sont. Là déjà on a rencontré des créatures qui nous ont attaqué. On a José qui est mort du coup, donc il y en a un de l'équipe Alpha qui est mort. Je crois qu'ils sont 6 par équipe, il me semble que c'est un truc comme ça. Et il y en a en fait qu'on voit pas, qu'on voit jamais, parce que là on était 4. Chris du coup on l'a perdu de vue, on sait pas où il est. Donc là on est avec Barry et Albert, donc Albert qui est resté à l'accueil. Et donc là notre but c'est d'essayer de retrouver Chris pour le moment. En même temps de faire l'enquête. What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Ok. Hop. Donc là, on va aller par là. Hop. Donc là, il suffit juste de retourner voir Barry. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Je sais pas si je peux retourner là. Faut que je rende compte à Wesker. Ok. Ça marche, c'est bon, j'ai compris. Du coup, on va aller voir Wesker. Parce que Wesker, c'est le chef de l'équipe Alpha. Le big boss. Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Ah. On va essayer de le retrouver. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me, too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill,
Here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Le truc, c'est que nous aussi, en fait, on va partir de ce côté. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Ok. This time, I'll be there. Bon, Barry, c'est le bon gars, hein. C'est clairement... Donc voilà, donc une nouvelle disparition. Donc on a d'abord Chris qui disparaît pendant la fuite, et là on a Wesker qu'on avait laissé au hall qui disparaît également. Donc très étrange. Donc là Barry va enquêter avec nous en fait. Ça je vais prendre. Est-ce que j'ai... Ah, c'est start. Ok. C'est bien R1 pour... ok. Va faire, je m'habitue. C'est start pour le menu. Donc là, du coup, si on retourne là... C'est Kenneth de l'équipe Bravo des Stars. À présent, il n'est que l'ombre de lui-même. Donc voilà, on a trouvé un des membres de l'équipe Bravo, Kenneth. La tête arrachée. Wouh! C'est paragoûtant tout ça. Voilà, là on a utilisé le passe-partout. La première porte, il me semble qu'elle est bloquée de l'autre côté, donc je peux pas y aller tout de suite. Blason doré, bah oui, on va prendre. Donc ouais, donc au niveau de l'équipe Alpha, il me semble qu'il y a Albert, Jill, Chris. On va mettre le blason, l'autre. J'ai dit Albert, Jill, Chris, Barry. Du coup, bah, le gars qui est avec nous, il est mort. Et Brad, donc qui est dans... qu'on rencontre vite fait dans RE2 et qu'on rencontre pour de vrai dans RE3. Hop, donc là on a récupéré le blason parce qu'en fait ça me permet de récupérer une petite clé. Hop, donc là le blason doré, on va le mettre ici. Voilà. Pardon. Ah, excusez-moi. Donc là, normalement, si on l'examine, vérifier. On peut tourner la clé. Un bouclier gravé. Par contre, c'est très drôle, j'ai pas les plans avec moi. Du coup...
Du coup, je sais plus quelle pièce, enfin quelle clé ouvre quelle pièce. Va falloir que je fasse un petit peu toutes les portes. Mais c'est pas trop grave. Après, ce qui est pratique, c'est qu'avec Jill, en fait, on récupère plus vite les objets. Alors qu'avec Chris, on fait un peu plus de détours, j'ai l'impression. C'est vraiment. Du coup, là ici. Vous avez le plan du rez-de-chaussée. Merci, bien aimable. Tac, au niveau du rideau rouge, j'y vais pas parce qu'en fait, il y a juste un zombie qui m'attend avec, je crois, des rubans encreurs. Et vu que je compte pas spécialement beaucoup sauvegarder, du coup, c'est y a pas un grand intérêt en fait à ce que je. Ah, les chiens sont pas bien malins. Après, en vrai, on va récupérer suffisamment de munitions pendant la game pour être un peu tranquille. Hein. C'est fermé. Ah, une armure, ok, ça marche. Pas de soucis. C'est pas celui que je connais par cœur, du coup, si vous me voyez faire aller à différents endroits et tout pour un petit peu rien, vous inquiétez pas, c'est normal. Ok, donc là, il n'y a rien. Là, ici, il n'y a rien. Ça marche. Hop. Une tapisserie, rien d'utile. Ça marche. Là, on a un flingue. Oui. Ok. Donc, j'imagine qu'on peut sortir. Là, cette porte est fermée. Cette porte est fermée. Hey, what's going on? Jill? Is that you, Jill? What happened? Harry, help me please. The door won't open. Quick! Stay away from the door, Jill. I'm gonna kick this door down. Hurry! This way! Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Thank you, Barry. Yeah, yeah. Donc voilà, on a eu beaucoup de balles parce que Barry, il est passé par ici pour enquêter et du coup, il nous a sauvé la vie. Donc faut savoir que ouais, les deux portes se ferment et
peux un petit peu rien faire, quoi. Ok. Du coup, tac, combiné. On va vite fait aller là. Je crois que la porte là à droite, elle est fermée. On peut pas l'ouvrir, il me semble. Alors, donc ici, là, on voit des corbeaux un peu partout. On voit des tableaux qui sont affichés. Le tableau est intitulé La fin de la vie. Il y a un bouton en dessous. Non. Donc là, en fait, en gros, on a plein de tableaux. Ça, je crois que c'est un enfant. D'un garçon joyeux. Non. Donc là, en fait, on va devoir appuyer sur les bons tableaux. Donc, de quand le mec, il est petit à vieux. Alors, nouveau-né. Bébé. Garçon. Jeune homme. Normalement, on a un gars entre deux âges. C'est ça. Oui. Et le vieillard. J'espère que je me suis pas foirée. Voilà. Et là, on peut appuyer sur ce bouton. Bon, il est clair que c'est pas la... Il y a bien plus compliqué, hein, quand même, hein, comme... Comme énigme, hein, littéralement. Resident Evil, je me souviens que c'était connu pour ses énigmes faciles. Hop. Si jamais vous vous trompez, par contre, les corbeaux vous attaquent. Lol. du coup, donc ça c'est fait. Ici, c'est un casque gravé. Ok, ça marche. Vous l'avez déverrouillé. Donc ouais, elle était fermée de l'autre côté, je crois, un truc comme ça. Parce que si elle était uniquement crochetée, je crois qu'il nous aurait dit qu'on a utilisé le passe-partout, enfin le crochet. Allez, redresse-toi. Là, c'est comme dans tout bon Resident Evil, le mec est réellement mort que s'il saigne, en fait. Hop, donc on va prendre... J'ai plus de place, j'ai pas... Oui, pardon. Hop, voilà, on va combiner, on va récupérer l'herbe. Attends, on a 8 emplacements avec Jill, je suis assez surprise en vrai, parce que... Il me semblait, moi, à mon enfin, moi, quand mes parents avaient pris le jeu, il me semblait qu'elle en avait que 6 dans son inventaire des places. Et que Chris n'en avait que... Ouais, ouais, pour moi, il en avait que 4. Mais après, ça remonte à tellement loin. C'est pour ça, à chaque fois que j'y joue, je suis extrêmement surprise parce que... pour moi, c'est... Ok, il n'y a rien d'autre, ça marche. Je vais juste récupérer ça, là, qui nous servira plus tard. Donc le système des coffres, ça n'a jamais changé. Hein. Tu mets des trucs dans des coffres et tous les coffres se rejoignent. F
faut dire que on n'a pas excessivement beaucoup de place. Donc ça aide. Hop, du coup, ça, on va combiner. Voilà, c'est cool. On a des munitions. C'est tip top. Donc je m'excuse par avance si je fais beaucoup d'aller-retour. C'est vu que je suis pas... C'est pas le jeu auquel je suis le plus habituée. Après, c'est bien de revenir un peu aux bases, on va dire ça comme ça. Après, moi, mon tout premier Resident Evil, c'était le 2. Après, j'ai fait le 3, après le Code Veronica, et après, j'ai fait le 1. Parce que le 1, je l'avais pas, en fait, chez moi. Et un jour, je crois que je l'avais emprunté à quelqu'un, ou alors, j'avais, ou alors c'est, je l'avais acheté, je sais plus. Il a perdu son... Toujours recharger son flingue. C'est fermé. Ah, une armure. Ok, ça marche. Là, ici, c'est fermé. Enfin, c'est clair. Il n'y a pas de poignée de ce côté, je crois. C'est plus ça, en fait. Ok, donc lui il est réellement mort. Du coup, on va passer par là, vite fait. Par contre, je vous avoue, je sais même plus où on récupère les clés, les machins. Rien de particulier, ok. Là, on a un bouquin. Ouvrage de botanique à propos des plantes médicinales. Comme vous le savez sûrement, il existe de nombreuses plantes ayant des vertus médicinales. Depuis les temps anciens, l'homme a utilisé nombre de plantes pour soigner les blessures et traiter les maladies. Dans cet ouvrage, nous allons prélever trois herbes qui poussent dans la région des montagnes de Raccoon. Et nous allons les prendre comme exemple pour illustrer ce que sont les plantes médicinales. Chaque herbe a une couleur différente et un effet particulier sur la santé. La verte permet de récupérer la force physique. La bleue neutralise les toxines naturelles alors que la rouge n'a aucune propriété en soi. L'herbe rouge n'a de vertu que si elle est mélangée à une autre des deux herbes. Par exemple, si vous mélangez cette herbe avec la verte, votre force physique sera multipliée par 3. En variant les dosages et en multipliant les expériences, vous arriverez à créer une gamme de remèdes, mais je vous laisse les découvrir par vous-même car c'est le meilleur moyen d'acquérir la vraie connaissance. Hop. Ouvrage de botanique. D'ailleurs, tac, dossier. Ok. Mince. Vous l'avez déverrouillé. Et je crois que de toute façon, on peut que passer par là, en fait. Ok. Du coup, on va continuer gentiment par là. Alors, une armure. Ok, ça marche, pas de soucis. Bizarre qu'il se relève pas. J'ai pas pu le tuer en deux coups, hein, c'est pas possible. Bah apparemment si. Ok. C'est fermé, une armure est gravée dessus. Ok. Bah apparemment il est mort en deux coups. Putain, je suis surprise parce que normalement... Non. Normalement non, pas du tout en fait. Du coup. Barry. Jill, what's going on? Any clues? No, but something's wrong with this house. Whoa.
This hall is dangerous. Maybe it's better to secure our escape route first. There must be a back door somewhere. Let's try to find it first, shall we? Okay. Let's separate again. Just a moment. I've found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful, especially against living things. Better take it with you. But how about you, Barry? I have this. Thank you. I'll take this then. Bon, il est cool ce Barry. Je regarde juste si j'ai... Ouais, ça va, c'est cool, j'ai de la place. Donc là, il vient de nous filer des grenades. On n'a pas de lance-grenade, hein, donc pour le moment, on peut pas s'en servir. Les grenades, je pense que je vais les garder plus pour les boss. J'espère que ce n'est pas le sang de mes compagnons. C'est Forrest. Il a été attaqué par les corbeaux. On va ramasser ça. Donc Forrest, il fait partie de l'équipe Alpha. Donc on l'a retrouvé mort, bien malheureusement. Hop, et là on se casse. En vrai, je vous déconseille d'essayer de tuer les corbeaux. Hein. C'est comme dans RE2, faut pas les tuer, les corbeaux ça sert à rien. Il y a juste à courir et puis on est bien. Du coup, donc là on a récupéré le lance-grenade, donc ça c'est cool. On a donc le petit flingue, le fusil à pompe, le lance-grenade, on est bien. On est même carrément plutôt bien. Là je vais juste regarder s'il y a un objet. Non, il n'y a rien, ok, ça marche. Donc là on est dans le hall, on va passer par en haut. En premier. Ah, il est pas mort, mort de rire. Voilà, cette fois il est mort. C'est bien, c'est la statue, elle me prévient qu'il est pas mort, c'est génial. Du coup, je vais faire tomber ça. Plus tard. Du coup. Donc là, on est du coup du côté ouest du manoir, si je puis dire. Alors ces zombies-là, il n'y a pas besoin de les tuer. Parce que de toute façon, ils nous crachent de l'acide dans la mouille. Il me semble que les deux portes-là sont verrouillées, j'y ai pas accès. Parce qu'il y a deux portes là, mais je crois que je ne peux pas y aller. Pour l'instant, il y en a une avec un code et l'autre, je crois qu'il me faut une clé spéciale. Que je n'ai pas encore. Ok. Nanana. Ceux-là, je sais pas si je dois les tuer non plus parce qu'il me semble qu'ils sont assez faciles à éviter. Du coup, donc là, on est dans une nouvelle pièce. Des vitamines et des sérums. Ok, ça marche, pas de soucis. Je vais ranger du coup un peu tout ça. Hop. Je sais pas si je vais pouvoir trouver des... Tac. Je vais juste prendre le fusil. Voilà. Hop.
Et de toute façon, je dois être pas loin de 35 minutes de jeu, du coup je pense que je vais m'arrêter là. Je vais pas faire 45 minutes à 50 minutes comme sur les derniers jeux, parce que vu que c'est des jeux qui sont en général un peu plus longs, c'est normal. Mais là, on est sur un jeu plutôt court, donc je vais faire plutôt des vidéos 35 minutes, histoire que ce soit pas trop long non plus. Donc voilà, du coup on a commencé l'aventure avec l'équipe Alpha. Du coup, parce que l'équipe, on n'a plus aucune nouvelle de l'équipe Bravo qui est partie faire des recherches dans le coin. Et donc, malheureusement, on a trouvé déjà deux cadavres sur les 6 membres de l'équipe Bravo. Donc on ne sait pas encore ce qui est arrivé aux 4 autres. Donc, on va continuer notre enquête du coup dans le manoir. Donc, là, on joue Jill, un membre de l'équipe Alpha. Et on a rencontré quelques fois Barry, donc lui ça va, il est vivant. José est mort. Chris et Albert ont disparu. Donc ça c'est pareil, il va falloir qu'on enquête là-dessus. Et donc là Barry nous a dit, ouais, faudrait d'abord qu'on trouve une porte de sortie avant en fait de continuer notre enquête, parce que si jamais nous arrive une tuile, au moins on saura où s'échapper. Ok, pas de problème. Donc on va en plus enquêter là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous va. Donc voilà, du coup moi je vais vous laisser pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis nous on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous tout le monde, prenez soin de vous.